Salut à tous, donc bienvenue pour cette vidéo tuto, donc une vidéo un peu spéciale qui est un tuto de Forge Magie. Donc c'est comment exotiser un Gélano avec des caractéristiques. Donc pour cela, il vous faudra un Gélano avec le PA dessus, une rune Gappa et des runes de votre sélection, donc soit vitalité, soit caractéristique. Donc moi j'ai pris des runes plus 3 forces. Donc le but de la Forge Magie, ça va de prendre toutes vos runes et de fusionner le tout. Le but, ça va être d'enlever le PA du Gélano et que cela vous donne plus 30 forces. Donc vous avez le choix entre plus 36 forces et plus 30 forces. Donc c'est parti. Donc le Gélano est le PA est toujours pas parti. On va voir ce que ça donne au bout de 200 runes. Le BA a pas l'air de vouloir s'enlever du Gélano. On va bien attendre. Ah, c'est bon, le PA est parti. Donc, maintenant on va monter. 24, 27, 30. Voilà, stop. Maintenant qu'on est à 30 forces, on va mettre la rune Gappa. On a 85 de chance à ce que la rune Gappa passe sans faire de dommages. Donc je vais mettre une rune de signature parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir été passée. Voilà, et on va fusionner, et comme un con elle n'est pas passée. Je reviens, une petite ellipse. Voilà, donc on se retrouve, donc j'ai été chercher une rune PA parce que après le petit fail que le PA ne soit pas passé. Donc on va fusionner. Donc comme je disais, on avait 85% de chance que ça passe sans faire de dommages. Là, elle n'est pas passée, elle n'a pas fait de dommages. Donc on va voir. Et voilà, la rune PA est passée. Donc maintenant, vous avez tout en main pour faire des jolis Géano et vous faire plein de Kama. Donc bon, cette astuce n'est pas non plus extrêmement rentable vu qu'il faut vous acheter le Gélano plus les runes de caractéristiques plus les runes PA. Mais en moyenne, vous pouvez vous espérer quand même vous faire dans les 250 000 Kama de bénéfices sur la revente de ce Gélano. Allez, bye tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu et abonnez-vous et aimez la vidéo. Allez, à plus.